À toutes et tous, très très heureux de vous retrouver sur l'équipe 21 pour du grand sport spectacle automobile, le championnat de France de rallycross et la quatrième manche du calendrier 2016 en Sarthe sur le circuit de la Varée. Il va, c'est sûr, se passer plein de choses. Nous allons pouvoir vivre et partager ensemble avec Manu Huneau. Bonjour Manu. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, on fait le point sur le championnat, justement, le rappel de sa composition, un petit peu de ce Tour de France que nous avons entamé depuis le week-end des 30 avril 1er mai à Essey dans l'Orne. Châteauroux également, il y avait avant le rendez-vous sartois à Falleras en Gironde. Nous sommes donc bel et bien en Sarthe à La Varée pour la quatrième manche de ce championnat. Il y aura également Pont de Romans-Saché en Indre-et-Loire pour la suite de ce mois de juillet. Carlabo, Loéac, Mayenne, Dreux et l'Essey dans la Manche pour ce qui sera justement la manche finale. Mais intéressons-nous donc à ce circuit sartois de La Varée avec beaucoup, beaucoup de spectateurs. Déjà, rendez-vous, Manu Huneau, on peut le dire, c'est un circuit très spectaculaire. Tous le sont par définition, parce que le rallycross est spectaculaire. Celui-ci est très rapide. En effet, c'est l'un des circuits les plus rapides de la saison, avec ses deux grandes lignes droites, parce que la première grande ligne droite du départ, où là, les pilotes passent le cinquième rapport avant le premier freinage. Et on aura aussi la deuxième ligne droite, qui s'appelle la ligne droite de remontée, où là, en fait, malgré le petit virage à droite, les pilotes passent quasiment à fond, et on a des très très grosses vitesses de pointe sur ce circuit avant d'atteindre le freinage qui amène autour le joker, puis la ligne d'arrivée. Quasiment 1 km de développement. Vous voulez voir ce que cela donne lorsque l'on est à bord d'une voiture? Accrochez-vous, un tour de circuit maintenant. Le circuit de La Varée, c'est Subtilité avec Martial Barbette, le Sartois. La voiture est une mégane. C'est parti, Martial. Et oui, c'est parti. On va passer donc toutes les vitesses sur la ligne droite, 6e. Et là, freinage très très doux, très très doux sur le freinage parce qu'il y a beaucoup de gramillonnettes. Et là, on fait très très attention. On garde l'intérieur, beaucoup garder l'intérieur pour pouvoir reprendre la motricité à la sortie. Là, à droite, vous voyez, il y a beaucoup de gramillonnettes. Et là, on attaque toutes les vitesses et on passe génial. À peu près à 175 km/h. Impressionnant. Et on va attaquer le gauche avant la descente. Vous verrez sur la gauche le tour joker. Ah oui. Et la descente 3e, 4e. Et là, on refait très très attention sur le freinage. Et on reprend la deuxième pour pouvoir faire un appel contre appel. Et vous voyez déjà, le tour est déjà terminé. Ah, en tout cas, un circuit spectaculaire et hyper rapide. Le circuit de La Varée. La Varée en piste pour la première devis finale de la catégorie dite des supercars, autrement dit la catégorie reine. Manu Huneau, beaucoup de beau monde, déjà avec un week-end qui semble assez bien se passer pour Jonathan Payet. C'est lui le poleman de cette première demi-finale, demi-finale B en l'occurrence avec la Peugeot 208. En effet, Bruno, Jonathan pour l'instant réalise une journée parfaite avec deux victoires en manche ce matin, une pole en demi-finale. Malgré le crachin, je pense qu'ils n'ont pas trop modifié les réglages de l'auto, éventuellement la pression des pneus et la hauteur de caisse. Mais sinon, pas question de passer les pneus mouillés pour le moment. Ils vont rester sur ces pneus typés secs. Avec un départ à l'instant qui vient d'être donné, une grille de départ qui nous permettrait également de retrouver Alexandre Teuil qui me paraît être même bien bien parti. Attention au premier freinage. Il y a également la Logan de David Olivier, un tout petit peu malmené, mais qui se maintient dans ce premier virage en troisième position. Et malgré l'absence de turbo, David reste au contact de Jonathan Payet, car il faut rappeler que David pilote une voiture avec un moteur atmosphérique. Alors toutes les supercars normalement ont un moteur turbo de litre. Donc David réalise une très belle performance en ce moment. Oui. Adeline Sornier aussi qui revient de loin à la 5e place derrière Hervé Knapi. Adeline était blessée hier en fait sur une sortie de piste et malgré son pied cassé, elle est repartie ce matin et on la voit en demi-finale. Donc très belle performance d'Adeline aussi. Elle est avec la Peugeot 207 numéro 5. Elle était partie de la deuxième ligne de la grille de départ. C'est un circuit extrêmement rapide, le circuit de La Varée. Alexandre Teuil a bouclé le premier tour en tête avec Payet donc en deuxième position. Jonathan qui est en ce moment à quelques 4 dixièmes David Olivier en troisième position. Et signalons la présence bien sûr de maître Hervé Knapik numéro 7. C'est lui qui avec la
DS3 est pour l'instant en quatrième position. Il faut être dans le quatuor de tête de toute façon, Manu. Dans le match pour la finale, tout à fait. Hervé est en train de se battre pour obtenir un ticket pour la finale. Il est juste devant Adling. Oh, attention à Jonathan Payet qui part en tête à queue, malheureusement pour et lui. Là, ça peut être éliminatoire en tête à queue en demi-finale. Ah, oui. Malheureusement, s'il plonge dans le tour joker, il ne pourra pas trop rattraper le retard. Alex Toy, Manu a carrément, Alexandre Toy, un véritable boulevard d'avance puisqu'il a passé déjà le cap du deuxième tour avec une seconde 977 d'avance sur David Olivier avec la Logan WRX Limeca qui n'en demandait pas tant. Reste à savoir quand il va choisir de prendre le tour joker. La stratégie de David là, serait d'avoir des tours clairs vu qu'il est distancé par d'Alex durant 12 secondes. Donc d'essayer de rouler un maximum pour prendre le tour joker le plus tard possible. Le seul problème, c'est que derrière lui, il y a tout simplement Hervé Knapil qui va défendre sa place avec Zéon, surtout qu'Hervé est... Il se rapproche là, d'ailleurs. Allez, tour joker pour Knapil et pour Adeline Sandy. Petit vent de fraîcheur peut-être pour David sur cette demi-finale. Ouais, c'est une très belle première demi-finale B. Alexandre Teuil, rappelons-le, est en train en ce moment de la dominer. Il est numéro 17, bien parti pour en être le vainqueur. Hervé Knapik. Alors, et pour l'instant, vraisemblablement, restant en troisième position, Manu. Là, visiblement, quand on regarde les datas, les temps autour, on peut quasiment assurer pour Hervé à Adeline une place en demi-finale derrière David Olivier et Alexandre Toy qui semble complètement transformé depuis son podium à Falleras il y a un mois. Ouais, elle a beaucoup de supporters Adeline Sangnier. Qui sait ce que ce week-end de la Varée pourrait lui réserver de très très bien. On retrouve justement le trio infernal avec le passage de la Logan in extremis dans le tour joker. Mais David Olivier en fait quand même. Voilà. David va ressortir du coup à la cinquième position. Si je ne m'abuse. Et alors attention derrière à Martial Barbette, c'est lui qui nous a fait découvrir David ce circuit qui passe peut-être. David est crevé à l'avant-droit en fait. Ah, exact, voilà, oui. Et là malheureusement pour la Logan, le week-end va se terminer là. C'est dommage sur une crevaison. Une fois de plus on peut féliciter le travail d'Olimeika qui propose une voiture avec un moteur atmosphérique quasiment aussi performante qu'une voiture à moteur turbo. C'est un très beau travail. Ouais, c'est une grosse frustration quand même pour David Olivier. Alors, en ce moment, passe virtuelle 4e avec la Mégane numéro 72, Martial Barbette. Le local de l'étape. Voilà, faire attention bien sûr au passage tour joker et au nombre de tours qui nous séparent de la présentation du drapeau à damier. Dans l'avant-dernier tour, je me dirais. Exact. Cinquième passage pour Alexandre Teuil. Et je tiens à revenir en fait sur la performance d'Aldine parce qu'il faut juste préciser qu'elle a été blessée avant d'arriver sur le circuit. Elle a eu un petit accident chez elle en début de saison. Elle s'est fracturé le coude et le pied. Son accident d'hier matin en a rajouté un petit peu. Mmh. Et croyez-moi, conduire une voiture de 550 chevaux avec un pied gauche en dolori, c'est une très belle performance de sa part. Allez, Adeline, sans parti pris, nous continuons de suivre le leader Alexandre Teuil qui avait terminé lui-même deuxième à Falleras. Il est pour l'instant bien parti pour s'imposer. Ultime sollicitation sur la pédale d'accélérateur, exact. Il est vainqueur. On voit Jonathan qui franchit la ligne d'arrivée au ralenti, tout simplement pour aller chercher les derniers points nécessaires dans sa quête de podium ou de titre en fin de saison. Le vainqueur demi-finale B est donc Alexandre Teuil. Il s'est imposé devant Hervé Knapik avec la Citroën DS3, en écart de 6 secondes 4 à l'arrivée. Adeline Sangnier en 3e position et la 4e place pour Martial Barbette. Voilà pour le résultat de cette demi-finale B. C'est parti pour la demi-finale A. Fabien Chanoine avec la Clio. Oh, un bien très bon départ aussi de Firmin et d'Andrea Dubourg qui s'intercale entre Fabien Chanoine et c'est Firmin qui réussit un très très bon départ. Firmin qui a eu lieu en partant de la deuxième ligne. Petit contact entre Firmin et Andrea Dubourg. Ah, c'est chaud là, c'est bien parti avec la Sirocco. Également de Guy Morton qui est en quatrième position. Voilà, regardez-le bien, il y a forcément du monde derrière, mais on sent que c'est une demi-finale A qui est très très musclée. Magnifique. Très musclée, très ouverte. Et Guy Morton avec son original VV Sirocco est l'un des rares pilotes à construire une voiture vraiment à conception européenne, tant au niveau du moteur qu'au niveau du réglage des trains, donc c'est une philosophie totalement différente de ce que l'on peut voir en France habituellement. Patrick Guillaume également, numéro 8, qui effectue son retour cette année. Rodolphe Audran et Gilles Franco sont également des pilotes en piste pour l'instant, mais celui qui domine cette demi-finale A, c'est Fabien Chanoine avec la Clio numéro 2. Fabien qui confirme tout simplement ses deux victoires de manche qualificative samedi après-midi. Et visiblement, le pilote de Dreux a l'air très à l'aise sur ce circuit avec sa Clio 3. Reste à savoir quelle pression va-t-il subir de la part de Firmin Cagliari et André Dubourg,
J'ai bien l'impression qu'il ne peut pas lâcher prise si facilement pour cette qualification en première ligne de la finale. Oui, d'autant que pour Firmin Cadenu, il s'agit de repartir du département de la Sarthe en tête de ce championnat de France pour la catégorie des supercars. Un peu de pression quand même. C'est ce que m'avouait Firmin en fait dans la journée. Son objectif ce week-end, c'est peut-être pas spécialement de jouer la victoire, mais au moins de préserver le leadership. Et pourquoi pas creuser l'écart sur ses poursuivants en fonction des faits de course des uns et des autres. Engendrer un maximum de points. Andréa Dubourg avec sa DS3 est en troisième position, un peu plus loin. Là-bas, c'est Guy Mortan avec sa Sirocco. Alors attention, nous avons les pilotes qui arrivent pour se lui tirer de tête pour boucler leur troisième tour. Tour au joker, oui, non. Un tour joker pour Firmin. Pour Firmin Cadedu, qui va donc se retrouver... Je pense au pire troisième. Qui ressortira troisième parce que finalement ce trio de tête a réussi à creuser un bel écart sur les poursuivants. Donc maintenant reste à savoir qui de Guy Moreton, Florent Bellini ou Laurent Chartrain pourra aller en finale. Pour Laurent, ce serait tout simplement une deuxième finale après celle gagnée à essai, enfin celle décrochée à essai. Absolument. Et sa première en supercar. Voilà. Allez, quatrième tour en course cette fois-ci. Nous avons donc entamé la deuxième moitié de cette demi-finale à Fabien Chanoine. Et donc pour l'instant, oui, solide leader, même si André Dubourg est quand même calé juste derrière lui. On va finalement donner une petite vertu, Manu, à la pluie en ce moment. Attention au leader qui emprunte, qui passe par le tour joker. Ça tasse un tout petit peu la poussière, il y en a toujours qui soulève. On ne parlera surtout pas de piste détrempée, hein. loin de là. Comme vous pouvez le constater, voilà. Il y a encore un peu de poussière à l'écran, Bruno. Donc oui. Ce qui est bien, c'est que pour les pilotes, ils ont une visibilité quasiment c'est à 100%. Voilà. On peut voir des caméras embarquées. Quand il y a de la poussière, c'est vraiment banzai. Eh bien, Chanoine en ce moment devant Firmin Cadedu, alors que le leader est Andréa Dubourg, mais qui n'a pas encore effectué le passage par le tour joker. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et ça va vraiment très très vite. En fait, on l'a vu en qualification, pour boucler le quasiment 1000 mètres de développement de ce circuit, les plus vite vont en 38-39 secondes avec des vitesses de pointe vraiment très élevées. Dubourg passe par le tour joker. Dubourg avec une entrée très, très violente sur le tour joker et un peu limite. Heureusement, il ne va pas au contact avec Firmin. Parce qu'on aurait pu perdre deux pilotes pour la finale. Ah oui, ouais. Jeu de appel contre appel, braquage contre braquage. Très spectaculaire. On sent la formation trop fendreuse pour rentrer à la sur cet appel contre appel. La glisse ne lui fait pas peur. Exactement. Et Fabien qui préserve bien sa première place, qui a une bonne stratégie tour de joker. Et je pense finalement qu'il devrait pouvoir décrocher sa qualification en première ligne de la finale. Vous savez qu'en Sarthe, on l'a vu encore récemment sur un autre grand circuit pas très très loin. Pour terminer premier, en premier il faut terminer. Vous voyez à quoi nous faisons allusion, à qui nous faisons allusion. Fabien Chanoine, encore quelques hectomètres, absolument. Quelques hectomètres encore. Voilà l'ultime virage, lui aussi très spectaculaire. Je serais curieux de savoir qui va jouer la quatrième place en revanche, parce que ouais, ça a l'air très serré entre... Là on voit que c'est Florent Bellino, il y a très peu avec Laurent Chartrain. Alors qui va passer? Et c'est Florent Bédunau qui prend la quatrième place. Voilà, et donc Laurent Chartrain aille pour lui, hein, qui avait terminé deuxième à ASS. C'est un retour. Je crois qu'il sera encore à Pont-d'Euron. Malheureusement, finalement, justement, Laurent devait être à Pont-d'Euron et la voiture qu'il a sera pas dispo, vu qu'on va retrouver Jean-Philippe Dérault, tout simplement, au volant de cette DS3. C'est une info, ça. C'est une petite info. Jean-Philippe va venir préparer le rallycross de l'OEAC au mois de septembre. Donc on le verra à Pont-d'Euron et à Carlabeau. Spectacle garanti. Et voici le rappel du classement. Fabien Chanoine s'est imposé avec sa Clio 3 devant Firmin Cadedu, que l'on va bien sûr suivre de près. C'est le leader en classement provisoire de ce championnat de France pour la catégorie supercar. Les deux autres qualifiés, Manu, sont... Alors, Andréa Dubourg, qui a tenu tête à Firmin Cadedu pendant une bonne partie de la demi-finale avant de franchir d'arriver en troisième position. Et Florent Bellino qui s'impose dans un match à 3 qu'il opposait avec Laurent Chartrain et Guy Moreton. Et Florent retrouvera la finale. De bon augure pour le pilote qui est monté sur le podium à Faleras il y a un petit mois. Et compléteront le tableau Guy Morton, Gilles Franco et Rodolphe Audran. Voilà pour le classement demi-finale A, supercar. Rallycross de Lavaré avec naturellement les finales en Twingo Cup et en D4. Et on commence tout de suite par la finale D4. La division 4, les temps forts, on s'est bien battu. Jean-Michel Guérin, Gilles Lambert, Guillaume Pinson étaient les pilotes de la première ligne. Et attention Manuno, au premier freinage, quelques premiers chocs. Premier freinage, forcément tout le monde essaye de faire sa place, ça se bouscule un peu, ça part en tête à queue. Et qui est-ce qui va réussir à tirer son épingle du jeu? C'est tout simplement Jean-Michel Guérin qui profite de la petite escapade de Sébastien Leferrand dans la pelouse pour aller chercher la première place.
Celui qui va aussi faire les frais de cela, c'est Gilles Lambert. Alors qu'il sera le premier bénéficiaire, le grand bénéficiaire de ces touchettes, eh bien c'est Jean-Michel Guérin, voilà, qui s'impose ainsi en leader avec sa Peugeot 206 à un moment où il pleut quand même pas mal sur ce circuit de la Varée. C'est donc lui qui a pris les devants. La piste en effet un peu piégeuse avec l'arrivée de cette averse, de cette petite bruine. On voit Jean-Michel en fait qui a dominé les manches qualificatives en étant en tête du classement intermédiaire, qui confirme finalement sa bonne forme ce week-end. Il est au volant de la 206 pilotée l'an passé par le vainqueur de la Coupe de France Division 4, à savoir Stéphane Lefrançois. Et finalement, Jean-Michel n'a pas trop traîné pour s'adapter à cette nouvelle voiture, vu qu'il va s'offrir cette première victoire dans la saison. Voilà, on l'a vu à l'instant passer par le Tour Joker. Belle course aussi de Xavier Goubil avec sa Peugeot 306, la numéro 445. Les tout derniers passages en virage pour Jean-Michel Guérin qui fonce ainsi vers la victoire. La Clio, en fait, est la voiture de Guillaume Pinson qui a aussi fait une très belle course, très offensif aussi. Il file vers la deuxième place à l'arrivée sur une piste vraiment de plus en plus piégeuse, minute après minute. Guillaume Pinson qui, avec cette deuxième place, préserve son statut de leader de la Coupe de France de Division 4, mais un peu atypiquement, n'a pas encore remporté de course cette saison. Le passage à l'instant du leader, ultime sollicitation sur la pédale d'accélérateur. Et c'est donc la victoire de Jean-Michel Guérin, l'arrivée de cette finale pour la Division 4 à la Varée, devant donc Guillaume Pinson et Xavier Goubil aussi. Une belle performance quand même, partie sur la dernière ligne et qui termine sur la dernière marche du podium, la troisième. Avec Florian Zavatin donc et Nicolas Botorel pour les 4 et 5e. Ça s'est passé en finale de la Twingo Cup à la Varée avec bien sûr un public supporter de la star locale Julien Hardonnière et qui justement Manuno s'est lancé de la première ligne de la grille de départ avec un Alain Motet qui va se montrer très pressant d'entrée de jeu, mais ça c'est normal, c'est la course. C'est la course et on voit Alain et Marcelonnet surtout qui essayent à leur tour de faire leur trou au milieu du peloton. C'est donc Alain Motet qui prend la deuxième place derrière Julien Hardonnière. Julien Hardonnière chez lui. À la Varée, je pense qu'il va vraiment tout faire pour aller chercher cette victoire, ça lui tient vraiment à cœur. Et Tony Bardot, rappelons-le, arrivé en Sarthe en leader de cette Twingo Cup, il s'est lancé justement de la deuxième ligne de la grille de départ. La première partie de course va nous offrir vraiment une très spectaculaire triangulaire avec Julien Hardonnière, leader, Alain Motet, Marceau Launay. La question posée à ce moment-là allait être, quand justement va-t-il y avoir le choix du Tour Joker pour chacun des postulants à la victoire? Julien Hardonnière, dans tout les cas, n'a pas craqué une très belle démonstration de maîtrise qui plus est dans son jardin. Avec des écarts très serrés comme on peut le voir à l'écran, c'est sûr que la stratégie de Tour Joker a toute son importance, surtout en Twingo où la performance moteur n'est pas forcément la tout première de la Twingo. Il s'agit vraiment d'avoir un pilotage très fin, très fluide. Et on voit que les pilotes cherchent vraiment des trajectoires où ils peuvent relancer au mieux leur moteur. Et c'est justement dans le cinquième tour qu'Alain Motet décidera de prendre le Tour Joker. À partir de ce moment-là, Marceau Launay passe en deuxième position. On en profitera également pour saluer Perrine Perrin qui a remporté la finale féminine. Julien Hardonnière dans le sixième tour décide effectivement de passer à ce moment-là par le Tour Joker qui prend dès lors la succession en tête. Marceau Launay, mais il reste un tour complet à effectuer. Tour Joker maintenant dans les dernières longueurs pour le leader, Manu. La stratégie de Marceau Launay pour le Tour Joker dans le dernier tour est une stratégie très agressive et finalement on ne peut pas lui reprocher d'avoir tout tenté pour aller chercher cette victoire. Et finalement, c'est le Sartois qui s'impose chez lui en Sarthe. Et bien voilà, Julien Hardonnière, victoire méritée pour une course largement dominée. En voici le classement. Il s'impose devant Alain Motet, Marceau Launay qui termine donc en troisième position. Alexandre Restellini, quatrième, Manu. Alexandre Restellini, quatrième, qui s'est imposé à Châteauroux au mois de mai. On retrouve également à la cinquième place Tony Bardot qui perd quelques points pour le classement de la Coupe de France Twingo. Et un petit clin d'œil à Valentin Comte en sixième place devant Mathieu Moreau et Morgan Gourdan. La Varée avec la finale pour la Division 3. Manuno, et toujours cette imprévisible météo. Va-t-il davantage pleuvoir? Est-ce qu'on met les essuie-glaces? Oui, on les met de temps en temps. Pour l'instant, faisons sur la pré-grille, ils ne sont pas encore mis, les essuie-glaces. Ouais. Et par contre, on en sait déjà quelque chose. Avant même que le départ n'ait été donné, on va avoir pour la première fois un vainqueur différent, puisqu'il faut se souvenir que Christophe Sonnois avait gagné à Essé, à Châteauroux et à Faleras, et qu'il n'est pas en finale, pas qualifié. C'est quasiment une fin. C'est une surprise, même, parce que Christophe, faut avouer que c'est le maître incontesté de la Division 3 cette saison, et là il n'a pas franchi le cut des demi-finales.
écoutez, c'est aussi le jeu du rallycross où on peut être éliminé en demi-finale et ce qui fait qu'on n'y arrivera pas en finale. Mm-hmm. Ça laisse la porte ouverte à Mathieu Trévian et Marc Maurice qui rongent leurs freins depuis le début de saison derrière Christophe Saunois. Mais David Vincent, qui est à l'extérieur de la première ligne, peut aussi créer la surprise en s'imposant. Allez, c'est parti un instant avec peut-être un vent de Sirocco qui peut souffler justement dans cette finale. Attention à cette longue ligne droite qui d'ailleurs dans le domaine des circuits de rallycross est peut-être l'une des plus rapides que l'on ait en France. Et c'est pour l'instant bien parti pour le pilote de la Sirocco. Un départ très très propre de Mathieu Trévian qui a su préserver sa première place et protéger l'attaque de Marc Maurice. On voit que David Vincent s'est tout de suite mis dans le pare-choc de Marc Maurice. Je crois que ces trois pilotes-là sont partis pour nous faire une belle petite lutte pour la victoire. Et on voit Clément Dupont qui est juste en quatrième place, qui a fait quand même un petit podium à Châteauroux en prenant la troisième place. Ça, c'est quelqu'un à surveiller, Clément, avec sa DS3 T3F. Il y a Quentin Pinczak également qui a pris le départ. Dominique Camerino également, Franck Delaunay. On a aussi Grégory Le Garnevé qu'il faut citer fin du premier tour. Et donc un bon départ d'entrée de jeu, précisons-le, pour Marc Trévian qui domine quand même de très peu Marc Maurice avec la Peugeot 208. Il y a trois petits dixièmes. C'est déjà la grosse attaque là pour Marc Maurice, normal. Mathieu et Marc sont habitués à se battre pendant toute la saison, que ce soit sur les manches, les demi ou les finales. Là, pour eux, l'avantage, en fait, c'est qu'il y a juste l'absence de Christophe Saunois. Comment vont-ils faire? Parce que normalement, ils ont toujours un guide devant eux. Est-ce que Marc va pousser Mathieu dans ses derniers retranchements? Mathieu va-t-il gérer ou calquer sa course en fonction de Marc? On va le voir en fonction du tour de jockey. Final sur 7 tours également, c'est bien de le rappeler, avec David Vincent et la Clio en 3ème position qui tente de rester au contact du haut de tête. Déjà le 3ème passage qui a été ainsi observé pour l'ensemble de ces pilotes, même plutôt le 2ème, pardon. Maurice qui est à 6 dixièmes du leader avec la Volkswagen Sirocco. Mathieu Trévian, qui avait été d'ailleurs accidenté à Falleras. Hein. Il a bien remis la voiture en état. Clairement, tout va bien pour lui. Il y a eu un peu de mécanique et un peu de carrosserie à faire pour Mathieu entre Falleras et Lavaré. Mais il en faut plus pour le pilote breton. Et on peut voir aujourd'hui que cette première place, si elle va au bout, ça peut être juste une récompense pour tout le travail effectué pendant ce mois. On voit aussi que Marc Maurice a commencé à distancer légèrement David Vincent. Oui. Il n'a pas pris le tour joker maintenant. Attention, derrière, ça va être le cas. Peut-être pour Dupont, justement, que l'on va pouvoir retrouver. C'est bien lui. Avec sa Citroën DS3, il était quatrième avant le tour joker. Et je crois qu'il est ressorti quatrième, Clément. Oui. Donc, s'il gère bien sa course, il peut revenir sur David, qui lui n'a pas encore pris son tour joker, David Vincent. Donc il y a peut-être un podium en vue pour Clément à l'issue de cette finale. Tour joker pris par Quentin Pinczak qui est pour l'instant en 6ème position. Elle est avec une Peugeot 206 pendant ce temps. Trévian, Maurice continue bien sûr la progression. Ils sont pour l'instant dans leur 4ème tour et pas de tour joker ni pour Trévian ni pour Maurice, le duo de tête. Quand on les voit rouler sur la piste, on a l'impression qu'ils déroulent en fait. Ils ont perdu si embêtés que ça par la pluie et par le manque d'adhérence. Et au contraire, on peut même dire maintenant que Mathieu prendrait un peu le large sur Marc Maurice. Écoutez, c'est un pilote vraiment qui mériterait une première victoire en rallycross cette année. C'est quelqu'un de très agréable dans le paddock, toujours le sourire et avec le bel esprit rallycross. Encore deux tours complets à boucler, ce sera peut-être cette première pour Mathieu Trévian et sa Volkswagen Sirocco. Il s'accroche derrière Marc Maurice qui est arrivé ici, rappelons-le, deuxième dans le classement provisoire de ce championnat de France rallycross. Et indépendamment bien sûr des points marqués en manche qualificative, la victoire devrait se jouer entre ces deux-là qui vont boucler dans un petit instant leur 5ème tour. On le rappelle, la division 3 sont des châssis tubulaires en fait, habillés avec des voitures de 4 roues motrices, bonne puissance déjà du 450 chevaux sous le capot Manu. Et aujourd'hui, en fait, la T3F est une catégorie très française, spécifiquement françoise. Et on voit que les pilotes, que ce soit Mathieu Trévian, Marc Maurice ou Christophe Saunois qui est absent pour la finale, ont tous des voitures qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts. Et la différence se fait que par le coup de volant. Vont-ils prendre le tour joker ensemble? On peut penser que ce sera le cas. Est-ce qu'ils vont le prendre maintenant? Je ne pense réponse pas. L'instant de boucler, justement, ce passage-là, ce virage-là. Oui, ça peut être non. Dans le dernier tour, avant que Marc le prenne maintenant. Ouais. Mais trace stratégie différente, voilà, finalement. Voilà, tout à fait. Marc Maurice qui Marc n'est pas prend. Inquiété par David Vincent, donc il le prend juste pour pas être gêné par éventuellement Mathieu Trévian s'il se loupe dans le joker. Ça peut être aussi une éventualité. On pourra juste dire que David Vincent les a vus passer devant. Voilà, ça c'est fait. Mathieu Trévian en tout cas est toujours devant avec ce vent de Sirocco justement qui ne souffle pas sur la Sarthe mais sur la piste en tout cas de Lavaré en route pour une première victoire. Attention, cependant il faut le boucler correctement naturellement ce dernier tour. Sans oublier bien sûr le passage par le tour en joker. Marc Maurice en deuxième position. La troisième place pour David Vincent. La quatrième en ce moment pour le pilote de la Citroën DS3, Clément Dupont. Alors attention à Trévian. Voilà, qui passe la tour joker et drapeau d'habillé dans une poignée de secondes, Manu. Donc,
Mathieu Trévian file vraiment sur cette première victoire cette saison. Et je pense que c'est un gros de soulagement pour toute son équipe. Marc Maurice habitué au podium devant David Vincent qui s'offre un premier podium cette saison en T3F. Voilà donc pour ce résultat à l'arrivée ici à Lavaret pour cette belle finale avec la catégorie D3 et donc la victoire de Mathieu Trévian. C'est un petit peu un coup de théâtre aussi dans le déroulement de ce championnat de France Rallycross pour la division 3. Ça vaut bien effectivement quelques belles figures acrobatiques pour exprimer sa joie et faire plaisir aussi au public. Essai Châteauroux et Faleras. Nous avions eu Christophe Saunois vainqueur de ces trois précédentes manches. On avait déjà eu Mathieu Trévian qui avait terminé en deuxième position à l'arrivée de Châteauroux. Précédemment, Faleras, Christophe s'était imposé devant Marc Maurice et c'est Henri Naval qui avait complété le podium. Et là, dans la Sarthe du changement, donc avec cette victoire pour le pilote de la Sirocco, Mathieu Trévian qui s'est donc imposé devant Marc Maurice. Troisième position, elle est pour David Vincent. Voilà, avec une très belle finale, rondement menée finalement pour Mathieu Trévian, qui aura été en tête du départ à l'arrivée, qui aura pris le tour au joker dans le septième et dernier tour de cette finale sur un circuit en plus vraiment ultra rapide, ce circuit de Lavaret. Les pilotes les plus vite quand même, le leader en particulier, avait des fois des chronos pour parcourir quasiment le kilomètre de développement de ce circuit de l'ordre de 39-40 secondes. C'est déjà un très très bon rythme. On se retrouve avec Mathieu Trévian, le vainqueur de la finale. Première victoire en T3 cette saison. Mathieu, vous avez fait chuter Christophe Saunois. Bon, ce week-end, Christophe a chuté un peu tout seul, mais on était vraiment dans le coup. On se bat à coup de centième avec Christophe tout le week-end, donc je pense que même s'il y a eu des problèmes mécaniques, je pense qu'on méritait ça quand même. On était vraiment rapide, on a vraiment bien roulé, on a fait aucune erreur, on a mis les pneus quand il fallait. Enfin voilà, avec notre petite équipe, on a fait un super truc. C'est aussi une belle récompense après ce qui s'est passé à Faleras pour vous, Mathieu. Ouais, bah après, c'est que du matériel. On a eu beaucoup de boulot, c'est sûr. Ça nous a pas coûté cher, c'est le principal. Après, j'ai un super coup de main avec Patrice qui fait beaucoup de choses, sa voiture. Puis c'est pour mon père, quoi. Le résumé de ce qui s'est passé dans cette finale division 3 avec Mathieu Trévian à la Volkswagen Sirocco qui était l'homme de la pole et qui, malgré les freinages tardifs de ses assaillants, va conserver l'avantage Manu à la sortie du fameux premier virage. Tout à fait, Mathieu a totalement profité de sa pole position pour sortir en tête après le premier virage. Derrière, Marc Maurice et David Vincent ont également pensé surtout à préserver leur place et ils vont maintenant partir dans un match à 3. Ou pour l'instant, on ne sait pas encore qui va en sortir vainqueur. Oui, absolument. Sinon, on se dit que le Sirocco souffle le vent de la victoire, en tout cas dans les ailes de cette Volkswagen Sirocco de Trévian. Marc Maurice, à ce moment-là, conserve des chances aussi de victoire avec une vue justement sur le podium. Mais rien à faire pour à la régulière aller déposséder Mathieu Trévian de cette place de leader. Regardez-le, très très à son aise, des trajectoires vraiment très très propres là aussi, malgré cette petite pluie. Finn qui accompagnait aussi cette course à ce moment-là. Passage de Marc Maurice par le tour Joker. Mathieu Trévian, en tout cas, parfaitement maître de son sujet. Mathieu a totalement maîtrisé sa course de bout en bout. On voit, même dans ses trajectoires, il n'est pas à l'arrache. Il essaie vraiment de faire une trajectoire la plus appliquée, la plus tendue possible. Et finalement, on voit même que dans le tour Joker, il a un bon matelas d'avance sur Marc Maurice. Ce qui lui permet de profiter vraiment de cette première victoire cette saison. Et on va voir qu'il est très ému à l'arrivée. Oui, avec Mathieu Trévian, vainqueur. Marc Maurice termine donc en deuxième position. Et belle troisième place pour la Clio 4 de David Vincent. Lavaret division 3, la finale son classement avec la victoire de la Volkswagen Sirocco 2, Mathieu Trévian devant Marc Maurice et David Vincent. Magnon fait le point maintenant sur la situation au championnat. Leader inchangé. Écoutez, le leader reste toujours le même, Christophe Saunois, malgré son absence en finale, ou plutôt sa non-qualification en finale pour un problème de boîtier électronique. Christophe Saunois reste toujours leader du championnat devant Marc Maurice et Mathieu Trévian. Et à noter la belle progression de Clément Dupont qui prend la quatrième place devant Henri Navaille. Voilà pour cette situation en Division 3 après la quatrième manche du championnat 2016, disputée donc en Sarthe à Lavaret.
Dans l'organisation de compétitions sport automobile, quelle qu'elle soit, il y a naturellement des commissions rattachées au sein de la Fédération française du sport automobile. Il y a des promoteurs, des écuries, des associations sportives organisatrices. Et puis, il y a à la tête de cela, le jour même de la compétition, un directeur de course. C'est effectivement sous sa responsabilité que l'épreuve est placée maître directeur de course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exercer quelle fonction précisément? Nous sommes allés voir le directeur de course de l'Avaray, Patrick Morisseau. Le directeur de course et le directeur d'épreuve du rallycross doit coordonner l'épreuve, de gérer les départs, de gérer tout l'aspect sportif sur la piste, hein, et de référer après au collège des incidents qui peuvent avoir lieu sur la piste pour que le collège et le commissaire sportif lui puisse prendre les décisions de sanctions qui peuvent s'imposer dans certains cas. On a toujours des voitures en piste, donc il faut avoir des adjoints et un directeur de course qui s'occupe du circuit dans lequel on fasse complètement confiance, puisque quand on est en train de gérer des images ou gérer des réclamations ou des faits de course, on n'a pas les yeux rivetés sur la piste, et donc on délègue complètement toutes ces fonctions-là à l'équipe de commissaires et à ses adjoints qui sont eux en piste. Pascal ? Ouais. Tu vas fermer ? À tous les commissaires, on va fermer la piste maintenant. Sans perte de temps. Opérationnel à 13h45. Opérationnel à 13h45 pour pouvoir relancer à 14h. Et puis après, il faut aussi savoir adapter sa façon de faire et aux moyens mis à disposition du circuit en termes d'images vidéo, en termes de caméras. On ne travaille pas du tout dans les mêmes conditions. Voilà pour Patrick Morisseau et la fonction de directeur de course. Et c'est vrai que pour organiser ces épreuves, s'il faut certes un directeur de course, il faut aussi des bénévoles du sport automobile. Autrement dit, les commissaires, leur rôle est essentiel. Et nous souhaitons aussi leur adresser un coup de chapeau bien mérité. L'Avaray, quatrième manche du championnat de France de rallycross 2016 sur l'équipe 21. Nous avons le plaisir de vous proposer de vivre l'intégralité de la finale Super 1600. Jimmy Terpereau est l'homme de la pole position, Manuno. En effet, Jimmy se retrouve en tête chez lui sur ses terres devant Samuel Peul, leader du championnat, qui compte tout simplement 3 victoires en 3 courses. Sur la troisième position, à l'extérieur, donc pas forcément plus avantagé, Maximilien Imzo, troisième du championnat. Et Fabien Grosséjana, Benjamin Godot seront les pilotes qui partiront de la deuxième ligne. Pascal Hutto, Tom Donna et Enzo Liebner seront les trois pilotes de la troisième ligne. Nous y voici avec le départ à l'instant donné, Manu, pour la finale des Super 1600. Déjà, c'est parti. En fait, sur la première ligne, on retrouvait tout simplement les trois hommes forts du championnat. Jimmy Terpereau sur la C2 Super 1600 blanche et noire. Samuel Peul sur la Saxo grise. Et Maximilien Evo qui vient de taper la Saxo blanche et verte. Trois pilotes qui partent pour le titre, et là Maximilien déjà a laissé deux places. Ouais, et puis on a vu également, et malheureusement pour lui, un tête à queue qui va être éliminatoire pour Benjamin Godot avec sa Citroën. Samuel Peu qui joue une carte importante ici. C'est un commentaire un peu un copier-coller par rapport à la D3 et Christophe Sonnois. Les trois précédentes manches, il les a gagnées, mais là pour l'instant, il n'est clairement pas en tête. J'ai l'impression que Jimmy Terpereau veut faire de l'adage prophète en son pays, son adage. Et même si Samuel est un pilote assaillant, qui est très propre, qui s'est attaqué quasiment dans toutes les conditions, je pense que Jimmy, sur un circuit qu'il affectionne particulièrement ici, l'Avaray, il va défendre charmant sa place. Oui. Et quitte à sacrifier certains virages pour éviter à Samuel d'avoir un maximum de vitesse. C'est un pilote de Saint-Calais, en fait, à quelques kilomètres, de l'Avaray, en fait, Jimmy Terpereau. Regardez Samuel Peu qui est vraiment calé derrière lui, bien décidé vraiment de lui faire absolument aucun cadeau. Fabien Grosséjana avec sa Suzuki Swift tente de rester également en contact des Citroën de tête. Il est donc en troisième position. Derrière, il y a aussi des coups de klaxon, hein, serais-je tenté de dire, avec Donald 169, Tom de son prénom, et sa Twingo, quatrième, et Samuel Peu. Tour Joker déjà. Tour Joker plus Samuel, je ne sais pas si c'est une bonne opération de ressortir derrière Pascal Hutto. Parce que là, ça va permettre à Jimmy Terpereau et Fabien Grosséjanin de vraiment respirer, de creuser un bel écart. C'est la stratégie de course. Peut-être que Samuel a une idée en tête en prenant le Tour Joker si tôt. Oui, ce sera intéressant de voir justement quelle en sera l'incidence. Les précédentes finales jusque-là avaient permis d'observer un choix plutôt porté vers la fin de course pour exactement les Tanner, pour le fameux Tour Joker en question. Samuel Peu, eh bien, innove et l'a pris très tôt dans la course. Encore une fois, on verra ce qu'il en sera. Est-ce que c'est pour surprendre Terpereau qui s'attendait à avoir une pression de Samuel pendant toute la course? Oui, aussi. À suivre. Il s'en est défait là, d'une certaine façon. Après, connaissant Jimmy, je sais qu'il a dans un coin de la tête un mauvais souvenir de l'an passé avec une casse de pivot. Je pense que ça va le cogiter quand même pendant cette tour de finale.
Après, c'est quelqu'un de très rapide, Jamie, et j'ai vraiment confiance en lui pour mener cette course de bout en bout. Ouais, jusque-là, il a terminé sur le podium précédemment, deuxième à Châteauroux, troisième également à Faleras. Il ne manque plus finalement qu'une cérémonie de podium avec une invitation montée sur la plus haute marche pour Jamie Terpereau. Est-ce que ce sera ici à Lavareille ? La douche de champagne et la douche sartoise, on va dire, parce que la pluie commence à s'intensifier un peu plus, mais vous voyez les pilotes, eux, techniquement et au niveau du coup de volant, ils ont vraiment changé finalement. Ouais, ils sont dans leur quatrième tour et Jimmy Terpereau, tour joker maintenant. La stratégie est complètement bouleversée, ce qui fait que Fabien Grosjean en profite pour prendre la première place. Mais Samuel Peu surtout n'est pas passé, il est quatrième là. Et Samuel est toujours contenu derrière Pascal Hutto qui défend vraiment sa chance avec une Clio R3, nouvelle réglementation qui est autorisée à rouler en rallycross cette saison. Et Pascal est en passe d'aller chercher un premier podium cette saison. Il va falloir pour cela résister bien sûr à Samuel Peu, c'est ce qui va rendre cette deuxième moitié de course très intéressante. Maximilien F2 avec sa Citroën C2S Super 100 bien sûr, troisième avant cette étape sartoise et pour l'instant pointé en cinquième position, vous venez de le voir à l'instant. Attention à la stratégie de Fabien Grosjean, tour joker pour maintenant me semble-t-il. Et oui. Jeanin, voilà, qui va voir Samuel Peu passer devant lui, j'ai l'impression. La bonne opération risque d'être pour Pascal Hutto. Oui, avec cette Clio numéro 144, cinquième passage. Autrement dit, il en reste encore deux avant la présentation du drapeau à damier. Puisque là, effectivement, on est dans le sixième des septièmes tours à l'instant. Donc, tout est encore possible. Le suspense accompagne. Regardez bien l'attaque à l'instant de Samuel. Là, Samuel tente tout juste parce qu'il sait que ce sera sur le tour de joker de Jimmy que ça pourra se jouer la victoire. Et là, Samuel a doublé dans un endroit complètement impossible. C'était osé, il fallait le faire. Et il l'a fait. Ça prouve le talent. Le talent de ce pilote, en fait. Extraordinaire. Jimmy Terpereau pour l'instant. Là, devant lui. La stratégie qu'il avait en début de course qui nous paraissait étonnante peut s'avérer bien parce qu'il revient sur Jimmy Terpereau dans ce dernier tour. Et voilà l'attaque du 7ème tour, le petit dernier par conséquent. Samuel Peu est à 1 seconde 04 de Jimmy Terpereau. Le tard de l'avoir la sortie. Regarde devant lui. Oh là là. Ça va être chaud, d'autant que le dernier virage, puisqu'en fait il y a quasiment une jonction entre la sortie de la bretelle joker et le dernier virage. Alors là, ça va être un jeu de portière contre portière qui va être vraiment passionnant. Ça va se passer dans quelques instants. C'est maintenant, on reste avec nous. Là, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. On ne peut pas trop de style. Allez, deux pilotes à saillant. Hop. Et ben voilà. Alors, on doit y avoir une erreur de tour. Je m'étonnerais que Jimmy loupe un tour de son passage en tour joker. Voilà, et en fait, il est salué par le drapeau d'Emile dans tous les cas, Jimmy Terpereau. Samuel Peu termine en fait en deuxième position à 644 millièmes. Et par conséquent, Maximilien Evenot pour la troisième place. Fabien Grosjean-Jeannin s'impose voilà, à la quatrième place. On se retrouve avec Jimmy Terpereau à l'arrivée. Jimmy, chez vous, votre première victoire cette saison, quelles sont vos impressions ? Ça fait trois courses que j'attends cette victoire. C'est à la Marie, c'est le top. Il me restait 7 tours, un départ, hein, 7 tours, c'est fait, c'est bon, c'est pour moi. Vous avez trouvé la solution pour battre Samuel ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci. Bah, faut bien démarrer surtout, parce qu'après, pour aller chercher, c'est impossible. Tout le week-end, j'ai fait des super, super départs. Je suis, y a rien à redire, c'est très bien. Super 1600, la finale, les temps forts, et il y en a eu avant même le premier freinage. Jimmy Terpereau est le leader, regardez bien déjà ce jeu de portière contre portière avec Samuel Peu, jusque-là invaincu en finale Super 1600. Et premier virage aussi, premier pilote qui malheureusement vont vite en faire les frais, c'est le cas de Benjamin Godot avec une autre Citroën Saxo, qui est donc en tête à ce moment-là, Manu. On retrouve Jimmy Terpereau chez lui sur son circuit en tête devant Samuel Peu qui va pas le laisser respirer, et la belle 3ème place pour le moment de Fabien Grosjean-Jeannin avec une Suzuki Swift ex-rally, ex-usine qui défend crânement sa chance. Alors ce qui sera quelque part un phénomène de surprise dans les premiers instants de la course, c'est le fait que Samuel Peu joue son joker très tôt dans l'épreuve, laissant le champ presque libre à Jimmy Terpereau qui bien sûr à ce moment-là prend la tête vraiment. Le choix de Samuel a sans doute fait ça pour faire cogiter un petit peu Jimmy qui ne voyait plus Samuel dans ses rétros très rapidement. Et on va voir par la suite que le choix de Samuel a été très très payant pour cette finale de Super 1600. Alors si l'image de la Saxo a disparu, quelle image dans les rétros de Jimmy Terpereau ? Celle d'une Suzuki Swift avec Fabien Grosjean-Jeannin, le leader tour joker à ce moment-là. Voilà. Ce qui permet à Fabien de prendre la tête de la finale
pendant un tour, puisqu'il n'a pas encore pris le tour de Joker, donc ce sera lui de prendre le tour de Joker d'ici quelques secondes maintenant. Et pendant ce temps, Samuel Peu donne vraiment le maximum pour tenter naturellement de revenir sur Jimmy Terpereau, avec notamment la Clio de Pascal Hutto qui est devant lui. Samuel Peu est un pilote audacieux, vous voulez en avoir la démonstration, regardez bien, il ose justement à ce moment-là, quitte vraiment à prendre des risques en passant sur le bas-côté de la piste, un dépassement réussi sur la Clio, et le voilà revenu deuxième, presque au contact de Jimmy Terpereau. Il revient même sur Jimmy au niveau du freinage de ce grand virage à gauche, et Samuel, une fois de plus, a montré qu'il était capable de tout et qui était vraiment en confiance, surtout au vent de la Saxo. Il n'y aura pas de 3 sans 4 ou de jamais 3 sans 4, justement, pour Samuel Peu, puisque la victoire à la Varée revient bel et bien à Jimmy Terpereau devant Samuel Peu, et Maximilien Evenot complète le podium. Jimmy Terpereau, sa première victoire 2016 en Super 1600, naturellement dans ce championnat de France de rallycross. Samuel Peu, nouveau podium. S'il n'a pas jusque-là terminé vainqueur, il termine donc second. Manu, c'est quand même pas mal. C'est une très belle régularité pour Samuel. Et on retrouve à la troisième place Maximilien Evenot. Terpereau, Peu, Evenot, c'est le top 3 du championnat de France. Peut-être pas dans ce même ordre-là à l'issue de la Varée. Mais bon, ça nous promet une très très belle fin de saison avec ces trois pilotes. Oui, Samuel Peu, quoi qu'il en soit, reste donc bel et bien le leader devant Jimmy Terpereau et Maximilien Evenot. Et on continuera de suivre, bien sûr, les Twingo d'Enzo Liebner et de Tom Donna pour l'instant, 4 et 5e. La Varée, la finale pour les supercars, un championnat dominé par Firmin Cadedu qui, Manuno, est bien en première ligne, mais il n'est pas le poleman pour autant. Et non, Firmin Cadedu partira à l'extérieur, le poleman c'est Fabien Chanoine, l'ancien leader du championnat de France. Et on va retrouver au milieu Alexandre Teuil, un habitué du rallycross, un ancien champion de France de rallycross. Il y aura une très belle première ligne. Et avec Napic sur la deuxième ligne avec Andréa Dubourg, et sur la troisième ligne, il y a bien Adeline Sornier, Martial Barbette, le Sarto avec sa Renault Mégane, et Florent Bedunot et sa Peugeot 208 sont là, donc départ depuis la troisième ligne de grille de départ. C'est parti pour la finale des supercars à La Varée. Manu avec naturellement beaucoup de pression à Fabien Chanoine. Bien parti, oh là là, mais André Dubourg aussi. Oh, fait le forcing là. Hein. Ça tend des extérieurs, des intérieurs. Fabien protège sa pole position. Et avec Napic notamment qui était très incisif. Firmin Cadedu aussi qui tente de préserver bien sûr ici sa place de leader au championnat. Et troisième dans le premier des 7 tours. On sent que c'est vraiment survolté en supercar. Là on retrouve Fabien Chanoine en première place devant Andréa Dubourg et Firmin Cadedu. Les trois pilotes se tiennent dans un mouchoir de poche avec une finale très très énorme. Ah oui, vraiment une super triangulaire là. Firmin peut en profiter, Fabien défend sa place. Ça va être une finale. Ah oui, absolument, c'est parti pour ces tours de bonheur là, très très clairement, avec également Alexandre Teuil aussi qui s'était particulièrement bien illustré en demi-finale. Il est pour l'instant en quatrième position devant Hervé Knapik. Et puis rappelons que nous avons au départ de cette finale, bien sûr pour les supercars, Adeline Sornier. Alors pour ceux qui sont des supporters de la Miss dans la course, elle est pour l'instant en sixième position. Fabien Chanoine leader, mais que Dubourg est pressant derrière. Grosse grosse attaque d'Andrea Dubourg qui se montre dans chaque rétro de Fabien, que ce soit à gauche ou à droite. Avec un petit peu de dérapage ici. Et pour cause, Fabien Chanoine qui est cependant vraiment solide. On le sent vraiment bien ici à La Varée. Attention, Andréa Dubourg qui peut-être même un tout petit peu à la peine ici, malgré bien sûr la vitesse de pointe élevée qui est celle de sa voiture. Mais Chanoine, on peut le voir ici à l'image. Manu a réussi déjà à se détacher légèrement. Fabien creuse un petit peu l'écart sur Andréa Dubourg qui doit aussi surveiller le retour de Firmin Cadedu. Et j'ai envie de dire aussi, celui qui pourrait être un des acteurs pour le podium, c'est Alexandre Teuil. Il est là aussi pressant sur Cadedu que Cadedu ne l'était il y a encore quelques instants sur Andréa Dubourg. C'est un match à 4, mais sur un podium, il y a que 3 matchs. C'est ça, et Alexandre Teuil a goûté au podium à Falera, si on peut lui faire confiance pour vouloir y retourner. Adeline Sandier toujours en 6ème position. Il y a une cassure maintenant avec le passage à l'instant, le 3ème du groupe de tête, Fabien Chanoine, Andréa Dubourg, Alexandre Teuil et désormais passé en 3ème position. Tour Joker manifestement pour Hervé Knapik, 6ème. Et Firmin Cadedu a pris le Tour Joker aussi puisqu'il est 4ème derrière Alexandre Teuil. Ah, donc une stratégie un tout petit peu différente. Il est bien 4ème, Firmin. Un peu plus de 4 secondes et demie du leader. Et attention, Andréa Dubourg qui est revenu au contact de la Clio numéro 2, pilotée par Fabien Chanoine. Grosse, ça se passe à la Varée. Alexandre Teuil qui a tenté tout sur ce virage. Et il rentre dans le Joker, peut-être. C'est une trajectoire inédite. Oh là là, grosse attaque d'Andréa qui prend la première place sur un extérieur
Les pilotes supercars sont déchaînés avec l'extérieur, j'ai l'impression. Ah, c'est génial, en tout cas, cette chaîne. Ouais, et il y a des problèmes, à mon avis, pour la Clio. J'ai et le sentiment qu'il y a un pneu arrière, peut-être un pneu arrière de toucher et peut-être bien de crever pour Fabien Chanoine. Ah oui, il y a de toute façon quelque chose qui se passe. Oh, on a des craintes pour Fabien Chanoine. De oh tout retenir, est-ce que le chat noir est encore malheureusement dans la Clio 3 de Fabien Chanoine après. Ok, cas de deux derrière. Ferme un cueil du qui va trop large, qui va tout le temps le mur, mais je crois qu'il peut repartir. C'est spectaculaire, en tout cas, ce qui est en train de c'est se passer. C'est spectaculaire, le championnat se joue. Et pour les supporters d'Adeline, pardon, Manu, mais d'Adeline Sornier, est-ce qu'elle est en ce moment même de passer troisième? C'est dans le domaine du possible. André Dubourg, joker, c'est maintenant. Il joue son joker, justement, le leader. Il sort du joker, donc il lui restera maintenant deux tours à parcourir pour aller chercher une première victoire cette saison avec sa DS3. Ah, il est dans l'attaque du sixième tour. Fabien est abandonné, malheureusement. Oh là 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 là, quel dommage. Et il y aurait peut-être un début d'incendie quand on voit le pilote s'inquiéter comme ça autour de la voiture. Ah, il appelle aux extincteurs, c'est manifeste. Andrea Dubourg, s'il s'impose, est-ce que ce serait sa première victoire? Ce serait sa première victoire cette saison, première victoire au supercar également. Avec Andrea Dubourg qui fonce ainsi vers la victoire. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, Manuno. Oh, encore un kilomètre pour Andrea Dubourg avant de savourer cette première victoire. Alexandre Teuil va bien gérer son affaire puisqu'il devrait monter sur la deuxième place et devant. Alors là, franchement, un coup de chapeau pour Aline Sornier. Ah oui. Et ce podium-là, je pense que beaucoup vont être heureux de l'avoir sur le podium après tout ce qu'elle a connu entre ces deux blessures depuis le début de saison. Oh que oui, Adeline Sornier vient en troisième position alors que la fin de course avait été extrêmement virile. Elle se termine avec une dernière zone qui sera de toute façon neutralisée par le drapeau jaune. Drapeau jaune, position figée. Et donc Andrea Dubourg n'a plus qu'à assurer maintenant, Manu. Là, Andrea Dubourg descend jusqu'à l'avant-dernier virage. Il va rentrer dans le dernier virage dans 5 secondes. Voilà, c'est fait. Première victoire pour Andrea Dubourg, ça relance également le championnat parce qu'Alexandre Teuil, deuxième, revient également sur les trois premiers. Et attention à Adeline derrière, Hervé Knappi et Beduno étaient au contact. Et c'est fait pour Adeline qui monte sur la troisième marche du podium. Et franchement, avec un pied comme elle a en dolorie, avec des métatarses de cassé, bah, je pense que beaucoup de pilotes. C'est le pied, voilà, on l'a dit. Très peu de pilotes ne pourraient le faire. Voilà, et Alexandre Teuil en terminant en deuxième position décroche un deuxième place consécutif finalement. C'était déjà son résultat. À l'arrivée de la manche de Faleras, un grand bravo à Andrea Dubourg, 23 ans, un Girondin mais qui vit à Rennes avec bien sûr toute la structure. Le Dubourg Auto Racing avec un père aussi qui avait été champion d'Europe d'autocross en 1992. Et cette saison 2016. Pour Andrea Dubourg, c'est important de le préciser. C'est sa première saison, justement, dans la catégorie des supercars. Cette année 2016, c'est également sa 9e saison. L'année passée, on l'avait vu dans l'Euro Super 1600. Il en avait effectivement terminé en 5e position avant de prendre la décision dans l'hiver 2015-2016 de revenir, justement, en France. C'est un bon choix. 4e manche en Sarthe à Lavaret. Victoire d'Andrea Dubourg. Le classement, Andrea Dubourg, vainqueur devant Alexandre Teuil, doublé au passage pour les Citroën DS3. Et bravo Adeline Sornier, c'est la première fois finalement qu'une femme pilote termine podium à la régulière d'une finale supercar dans ce championnat de France de rallycross. Manuno, vous avez rejoint Andrea Dubourg, le vainqueur de cette finale supercar rallycross ici à Lavaret. C'est votre première victoire en supercar, première victoire cette saison. C'est, je pense, une belle récompense pour vous. Ouais, c'est une sacrée récompense. Je partais deuxième ligne en finale. On sait ici que la deuxième ligne décolle toujours très fort. Et je suis pas très bien sorti, ça se refermait devant. Et puis j'ai dit, tiens, allez, on va tenter l'extérieur au bout. J'ai tenté l'extérieur, je suis sorti deux. J'étais derrière Fabien. Et puis Fabien, je pense qu'il a eu quelques soucis techniques. Il a commencé à avoir une perte de puissance au virage d'en haut. Et puis voilà, je l'ai doublé ici. Je suis ravi. Et cette victoire, elle est surtout pour l'équipe. Ça fait 4 mois qu'ils se démènent comme des fous. Et c'est la leur. Ils l'ont pas volé, celle-là. Merci, Andrea. Et bravo à vous encore. Il s'en est passé des choses dans cette finale supercar à rallycross. Vous voulez le résumer? 3-2-1, c'est parti. Rappelons que nous avions Fabien Chanoine qui était le pilote de la pole. Alex Teuil, d'entrée de jeu, c'est Hervé Knappi qui va bondir de la deuxième ligne de grille de départ, tenter quelque chose, tout comme Andrea Dubourg, bien inspiré. Un petit contact avec Fabien Chanoine, Manuno. Andrea Dubourg qui a tenté l'extérieur sur Fabien Chanoine. Bon, il sort quand même deuxième alors qu'il partait de la deuxième ligne. C'est vraiment la surprise de ce départ. Firmin Cadieu se place dans le pare-choc de la DS3 et une autre DS3 est derrière Firmin Cadieu, celle d'Alexandre Teuil.
c'est parti pour une finale très rythmique, croyez-moi. Rappelons que Adeline Sorny était partie de la troisième ligne aussi de cette grille de départ. Tout le monde remarque, conséquence du petit contact avec André Dubourg, que la Clio de Fabien Chanoine est légèrement abîmée à l'arrière gauche. Derrière, ça reste très spectaculaire, en regardant notamment Alexandre Teuil, en regardant de nouveau Teuil qui passe par le tour Joker, mais aussi vraiment la lutte acharnée avec à ce moment-là Andrea Dubourg, Manuno, qui passe à la régulière leader. Andrea passe à la régulière leader sur Fabien Chanoine, qui semble être ralenti par un problème technique en effet sur sa Clio. On voit une petite fumée blanche au niveau de la roue arrière gauche. Et on regardait également Firmacard de Dieu, ne peut même pas en profiter, lui aussi vire trop large. Quelque part, il est hors course pour la victoire, qui semble tendre les bras à Andrea Dubourg. Tour Joker à ce moment-là pour Andrea. Reste à savoir qui finalement va paraître dans ses rétros pour la deuxième place. 4 courses et 4 vainqueurs différents en supercar, c'est vraiment une saison magnifique pour le moment. Et justement, Fabien Chanoine ne pourra pas briguer une deuxième victoire à l'arrivée, alerté sans doute par un parfum de gomme brûlée à ce moment-là. Il craint le début d'incendie et c'est l'attaque du dernier tour pour Andrea Dubourg. Alex Teuil est revenu en deuxième position. Et derrière, Adeline Sorny va peut-être bien tirer son épingle du jeu. Drapeau jaune dans les derniers virages, je serais tenté de dire aussi drapeau jeune pour la carte jeune de cette catégorie supercar en rallycross avec la victoire d'Andrea Dubourg, sa première. Et la deuxième place d'Alexandre Teuil qui enchaîne 2 podiums consécutifs. À coup sûr, un pilote à surveiller cette saison. Et Adeline Sorny complète le podium. Au championnat Firmacard de Dieu, malgré son absence de résultats, reste leader, 130 points. Alexandre Teuil et Andrea Dubourg confortent leur place dans leur tiercé de tête avec respectivement 118 et 107 points. Fabien Chanoine a peut-être grillé un joker, même s'il apparaît quatrième, 99 points. Philippe Malouagne complète le top 5. Le futur champion de France Supercar figure peut-être dans cette liste. Et voilà, c'est le drapeau à damier sur la quatrième manche du championnat de France Rallycross 2016 à Lavaré-en-Sarthe. On a clairement vécu, Manuno, un très très bon week-end. Les organisateurs peuvent être contents. On va avoir une pensée pour l'écurie même, c'est pour Danny Boulet, parce que indépendamment peut-être d'une absence de soleil, on a quand même eu des manches qualificatives, des demi-finales et des finales extrêmement disputées. En effet, Bruno, on a connu un week-end très très rythmé avec des changements de leader pendant les manches, pendant les finales, pendant les demi-finales. Des courses à suspense, à surprise, je repense encore à la sortie de Jonathan Payan, mais finale. Oui. Vraiment, il y avait de quoi faire et je pense que s'il y a des parieurs en rallycross, je pense qu'ils ont beaucoup de soucis à se faire pour les prochaines courses. Et puis Adeline Sorny aussi sur le podium, c'était bien. C'était donc la quatrième manche, place à la cinquième, elle va se courir en Indre-et-Loire à Pont-de-Rouen-Saché les 16 et 17 juillet. Et naturellement, le meilleur de Pont-de-Rouen-Saché sera à vivre et revivre sur l'équipe 21. Merci Manuno, c'était un plaisir. Merci à vous Bruno et merci à tous. À très bientôt sur l'équipe 21, plus que jamais, la chaîne du championnat de France de rallycross.